information historique. Puis je pense qu'il y a partie aussi de la formation des lycéens de préparer cet examen, mais de taille raisonnable. Nous estimons, nous, qu'une semaine, tout compris, est largement suffisant pour faire passer les épreuves terminales et pour notre partie, autant le contrôle continu, puisque aujourd'hui, déjà, les élèves, quand ils passeront le bac, savent où ils sont dans l'enseignement supérieur et que le recrutement dans l'enseignement supérieur ne se fait absolument pas sur les résultats du bac, il se fait exclusivement en contrôle continu sur le dossier scolaire de l'élève. En fait, on découvre avec ce chiffre-là que le bac, au lieu de son coût juste de l'organisation, a un impact énorme sur les répercussions, c'est-à-dire pas de cours et des salaires versés à des profs qui n'assurent pas de cours à ce moment-là.